Je restaure tes enfants, Seigneur. Je vous sors de tout trou, tout verdict maléfique qu'on a mis sur vous. Tout trou dans lequel on a dit que votre famille, les membres de votre famille ne vont jamais voyager. Les membres de votre famille ne vont jamais voyager. Je déclare que ça commence par toi. Et comme tu voyages, tu amènes tous les autres avec toi au nom de Jésus. Je restaure ce que l'ennemi a volé. Je restaure ce que l'ennemi a pris. Je restaure ce que l'ennemi a touché. Éternel des armées, nous reprenons de nouveaux engagements avec toi aujourd'hui. Faites vos alliances avec le Seigneur. Dans 20 ans, quand vous serez avec 15 immeubles et tout ça, vous allez vous rappeler que ça avait commencé tel jour. Un jour, j'ai crié à l'Éternel. La Bible dit, « I cried to the Lord and he rescued me. » I cried to the Lord and he rescued me. J'ai crié au Seigneur et il m'a secouru. J'ouvre vos bouches, je viens détacher vos gorges. Toute personne qui a attaché ta gorge, toute personne qui a attaché ta gorge, tu n'oses même pas prier, tu n'arrives pas à prier. Je vous sors de cette roue. J'enlève ce qui te rend muette. J'enlève, je détache ta gorge. Que cette glaire-là sorte de ta gorge au nom puissant de Jésus. Toute attaque, toute flèche sur ta poitrine, j'enlève au nom de Jésus. Les palpitations, je vous en libère aujourd'hui au nom de Jésus. Oh, Papa Yahweh, tu as vu comment tes enfants se sont humiliés dans le jeûne et la prière pendant 3 jours. Il y en a, c'est leur première fois de jeûner, Seigneur. Papa Yahweh, je déclare que c'est le début d'une alliance avec toi qui ne sera jamais rompue de génération en génération. Père, je déclare qu'à partir de ces personnes-ci, comme la Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Seigneur, je déclare que c'est le début d'une alliance qui ira sur 1000 générations au nom puissant de Jésus. Oh, Papa Yahweh, que tu es bon. Que tu es bon. Tout papier qui est à la préfecture, à la sous-préfecture, au home office, office de n'importe où, office des étrangers, que tu attends depuis, tu as peur de les appeler. Je vous ai dit, lundi, vous les appelez. Monsieur, où en est mon papier? Je suis venu pour savoir parce que ça fait il y a trop longtemps. Je mets en vous le courage pour aller vers votre Goliath. Tout Goliath dans ta vie, dans ton cœur, dans ta famille, toute belle famille qui est en train de t'obséder, qui est en train de te déranger, il s'insère dans ton mariage. Une troisième personne entre dans ton lit. Il se met entre toi et ton mari, tu ne comprends pas ce qui se passe. Vous vous levez maintenant, selon Genèse 2, verset 24. Je viens détacher maintenant. Toute alliance, je l'ai défaite. Toute alliance que l'ennemi a tissée entre une autre personne et ton mari. Je détache toute femme qui est à l'extérieur, toute baby mama, que ton mari a eu l'enfant avec elle dehors et elle est en train de t'embêter. Toute belle-mère, toute belle-sœur, toute personne jalouse qui ne veut pas que tu avances, que tu sois stable dans ton foyer. Je viens te stabiliser au nom de Jésus. J'annule les incantations, les envoûtements sur vos maris. Je désenvoûte vos maris au nom de Jésus. Où que ce soit que ton mari est ton futur mari, qui que ce soit qu'il a attaché, je le détache de tout arbre maléfique, de toute forêt dans laquelle on l'a attaché. Je commande qu'il se relève. Que ton homme se relève de tout lit dans lequel on l'a couché. Il est comme la belle au bois dormant, il est couché. Ange Michael, je t'envoie maintenant que tu agisses dans la vie de ces personnes. Ils se sont humiliés par le jeûne depuis le premier Seigneur. Voilà le troisième jour. Le troisième jour, c'est le jour de la résurrection. Je viens ressusciter vos projets au nom puissant de Jésus. Je ressuscite vos business au nom puissant de Jésus. Ton projet qui a été attaqué, ton magasin qu'on ne visite plus par jour, tu as une personne qui en a ton magasin. Personne ne visite ta boutique. Tu vends les produits, tu mets tes statuts, personne ne te demande même que ça c'est combien. Quand vous vous connectez à cette onction maintenant, je mets la prospérité sur vous. Je mets la prospérité sur vous. Comme David a été oint selon 1 Samuel chapitre 16, au verset 13 jusqu'à 16, je viens vous oindre maintenant. Et je déclare que cette onction fait qu'on parle de vous dans les quatre coins de la terre. On parle de vous dans les quatre coins de la terre. Tu es en train de dormir, ton compte en train de se remplir d'argent. Au nom de Jésus, je te débloque. Tout argent que quelqu'un a retenu quelque part, il pense à t'envoyer, il tourne, il tourne. Je mets le feu sur les fesses de cette personne-là. Tant qu'il ne t'envoie pas cet argent, il n'a pas de repos. Toute personne qui te doit de l'argent
Même si tu as seulement promis. Je déclare. À l'instant, je remets ton nom dans son esprit. À l'instant, il retrouve ton numéro qu'il avait perdu. Papa Yahweh, je restaure ces personnes. Je vous restaure. Je déclare que tout projet que tu es parti, tu as déposé ton CV quelque part. On voulait t'appeler. Quelqu'un est venu là, dit non, ne la prenez pas. Toute personne qui est venue mentir sur toi, toute personne qui est venue voler ta faveur, ta bénédiction, parce qu'il voulait mettre sa personne, j'appelle tes bénédictions. Je commande à la terre, je commande à l'eau, je commande à l'air de recracher tes bénédictions et que ça te localise. Tes pieds touchent la terre comme tout le monde. Tu vas boire de l'eau avant de dormir aujourd'hui. Tu vas boire l'eau avant de dormir aujourd'hui. Que toute personne qui boit de l'eau ne puisse pas comploter contre toi, ça marche. Je déclare la restauration de vos facultés mentales, de votre vision. Avant, tu étais très positif. Maintenant, tu es dans la dépression totale. Je chasse cet esprit de dépression qui est dans ta maison. Je chasse cet esprit de lourdeur, cet esprit de peur constante qui est dans ton ventre. Tout serpent qui est venu s'insérer, que ce soit par une relation sexuelle. Je déclare que tu divorces de ces esprits maléfiques au nom puissant de Jésus. Toute personne qui a autour de toi, qui rôde comme un démon, qui rôde comme le diable. La Bible dit que the devil, he's roaring, he's like a roaring lion, seeking whom he may devour. Tout démon qui a été envoyé, qui est autour de toi pour te dévorer. Toute personne qui est cachée dans le coin, à chaque fois que tes bénédictions viennent, il peut intercepter en route. Il dit que non, ce n'est pas pour elle. J'expose d'abord ces personnes. Et j'envoie le feu du Saint-Esprit sur ces personnes. Je prononce le jugement divin. Ta bouche n'osait pas prononcer le jugement. Moi, je prononce maintenant au nom de Jésus. Toute personne qui t'a fait du mal, tu es là, tu as pleuré seulement, tu pleures. Je te sors de ces pleurs maintenant et je prononce le jugement. Je retourne les flèches de ces personnes à l'envoyeur. Il t'a piqué une fois, je renvoie cette flèche sur lui. Au nom de Jésus. Toute personne qui est venue gâter ton mariage. Je vois une femme, tu as pleuré jusqu'à. Tu ne savais même pas qu'on t'avait organisé. Tu ne savais pas qu'on était parti pour gâter ton mariage. Avant que le prochain ne se passe, je prononce le jugement divin sur toute main qui a œuvré, toute bouche qui a œuvré pour gâter ton précédent mariage ou tes précédents mariages. Toute personne qui t'a sali, qui t'a gâté avec le père de tes enfants, si bien qu'aujourd'hui ne parle plus avec les enfants, ils ne les appellent plus. Seigneur, localise ces personnes, Saint-Esprit, localise-les, localise-les. Je prononce le jugement sur ces personnes, une à une, au nom puissant de Jésus. Que la portion que vous avez mesurée pour moi, qu'on mesure ça 7 fois sur vous, au nom de Jésus. Je restaure votre bonheur. Vous n'osiez pas croire que vous êtes heureux à nouveau. Hein? J'enlève la peur de ton cœur. J'enlève la peur de ton cœur. Je te remets maintenant, je te reconstitue le visage. Je reconstitue ta beauté. Tout homme que tu as fait l'enfant avec lui, il était sorcier. Il est venu t'envoûter. Il a envoûté votre enfant. Je déclare, comme tu t'accordes avec ma prière, tu dis Amen. Je restaure la lumière dans ta vie. Je te sors de toute cage maléfique dans laquelle il t'a mis pour se faire de l'argent. Je restaure toute puissance qu'il t'a volée, toute étoile qu'il a pris, les parties enterrées quelque part. Je commande à l'ange Michael de recreuser cela et de te le restituer au nom puissant de Jésus. J'encercle tes enfants du sang de Jésus. J'encercle tes enfants, je coupe tout lien maléfique, je coupe leur cordon ombilical selon Ézéchiel chapitre 16. Je coupe leur cordon ombilical de toute association maléfique venant du village de leur père ou venant du village de leur mère. Je déclare que la destinée de tes enfants va s'accomplir. Et si c'est toi qui étais victime parce que ton père t'a envoûté, je déclare que toi-même que tu m'écoutes là, tu te libères au nom de Jésus. Chacun d'entre vous, si votre père connaît ce qui vous a fait, si connaît d'où sort ton malheur, si ton père connaît d'où sort ton malheur, chaque année il dit, ouais ma fille, ouais ma fille. Seigneur, tes enfants ne vont pas pleurer éternellement. Non. Je vous sors de toute captivité. S'il y a un de vos parents qui connaît ce qui est en train de vous arriver, Seigneur, je prononce le jugement sur ces parents-là. Le jugement qu'ils reçoivent 7 fois la portion qu'ils vous ont servi et ils vous ont regardé souffrir.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez entendre qu'il est malade au village. Laissez, vous allez entendre. Je crève les yeux de toutes les caméras spirituelles qu'on utilise. Les miroirs maléfiques qu'il y a dans ta chambre, dans ta maison, dans ta douche. Toute caméra qu'ils utilisent pour passer. Tout objet qu'ils t'ont envoyé, tu as pris, tu as déposé chez toi. Tu ne sais même pas pourquoi tu as pris. Toute caméra spirituelle qu'ils ont utilisée. Et ils utilisent ça pour t'observer, pour te manipuler à distance. Je déclare que l'objet là te vient à l'esprit maintenant, que tu portes, tu jettes. Et comme ça sort de ta maison, je ferme toute caméra spirituelle. Je crève les yeux de tout démon qu'ils ont mis dans votre maison, dans votre chambre, au nom de Jésus. Toute personne qui te check, chaque semaine, il parle, il dit, elle fait quoi? Tout ça pour te bloquer. Je crève leurs yeux maintenant. Je déclare, on va prononcer ton nom, c'est le nom de Jésus-Christ qui va parler. Là où on va prononcer ton nom, dès qu'on dit ton nom, comme ça, la pam, le feu du Saint-Esprit les brûle au nom de Jésus. Je couvre vos enfants, vos futurs enfants, toute personne qui est sous ton aile. Je les couvre maintenant du sang de Jésus. Je déclare que tu ne vas enterrer aucun de tes enfants. Toute maladie qui est dans ton enfant, qu'on a dit que c'est incurable. Éternel des armées, comme tu es en train de m'écouter. Toi qui m'as envoyé, Seigneur. Oh, parabashika, tarabakasante. Prononcez le nom de votre enfant là trois fois. Ange Michael, enlève toute folie dans la tête de cet enfant. Toute invalidité dans le corps de cet enfant. Pendant cette nuit que tu travailles sur cet enfant. Toute personne qui a envoûté vos enfants. Que ce soit un maître d'école, que ce soit son père, que ce soit sa grand-mère paternelle ou maternelle. Toute personne qui est venue à l'hôpital, la personne qui a touché l'enfant en premier lieu, tu ne savais même pas, tu étais en train de dormir. Et ils ont mis des choses dans ton enfant. Je viens détruire les incantations. Je coupe les liaisons qu'ils ont fait sur le cordon ombilical de ton enfant. Toute incantation qu'on a fait quand on était en train de laver ton enfant les trois premiers jours, pour maudire ton enfant, pour attacher ton enfant. Tout endroit, ils ont donné ton enfant. Tout cercle. Parce qu'il y a des gens qui partent voir la destinée de ton enfant. Parfois, le père donne le premier, après pour que les autres donnent bien. Je sors ton enfant de ces cages maléfiques. Je sors l'intelligence de ton enfant. Je restaure ça dans sa tête maintenant. Je restaure dans la tête de ton enfant. Je restaure ton enfant. J'enlève la tétutesse. Il a arrêté l'école, tu ne comprends pas. Tu parles, il ne t'écoute plus. Tout esprit maléfique qui a localisé ton enfant, peu importe. Nous encerclons nos enfants maintenant par le sang de Jésus. Nous restaurons leur faculté mentale. Nous remettons la raison, que ces enfants-là vont raisonner. Tu vas raisonner ça, ton enfant sera sage. Ton homme sera dépassé, que c'est l'enfant que j'ai accouché ici là. Oui. Assez de pleurs, je déclare que c'est la fin de vos pleurs. J'enlève l'esprit de malchance sur vos enfants. Ton enfant est en Algérie, il est au Maroc, il est calé là-bas. Chaque jour, c'est les problèmes. Oh, je suis au milieu des gens, c'est moi qu'on a trouvé, on est venu me faire tel truc de mauvais. Je remplace l'étoile maléfique qu'on a mis sur ton enfant là. Je mets maintenant la chance. Toute personne que vous êtes loin de vos enfants, ils sont à l'université ailleurs. Nous protégeons ces enfants. Nous les couvrons par le sang de Jésus. Aucun malheur ne va leur arriver selon le psaume 91. Même si 1000 tombent à leur gauche et 10 000 tombent à leur droite, rien ne va toucher votre enfant. Au nom de Jésus. Je déclare que vos enfants vont réussir. Je déclare qu'ils seront la tête, ils n'auront jamais la queue. Je restaure leur intelligence. Je déclare, comme on a bloqué ton enfant pour que l'enfant n'en ait pas l'argent, pour que tu viennes aussi en bain. J'ouvre les finances de cet enfant cette année. L'enfant a trouvé le boulot. L'école qu'il a fini depuis, il ne trouve pas le boulot. Là, je déclare que l'enfant va trouver le boulot d'ici le mois d'avril. Au nom de Jésus. Et un travail bien payé. Recevez les CDI pour vos enfants. Recevez les titres de séjour. On convertit leur visa étudiant en titre de séjour normal. Au nom puissant de Jésus. Recevez les titres de séjour de vos enfants. Attrapez les titres de séjour de vos enfants. Au nom de Jésus. Attrapez les titres de séjour de vos enfants. Attrapez les titres de séjour de vos enfants au nom de Jésus. Tu as fait les papiers de l'enfant depuis. Il a fini le bac. Il est bloqué. Toute main noire sur ton enfant qui est en train de bloquer l'enfant là au pays depuis. Je déclare qu'aujourd'hui, ma chérie, relance sa procédure à partir de la semaine prochaine. Tu vas voir. Tu vas revenir ici témoigner que j'avais dit ça.
J'enlève les limitations géographiques sur les pieds de vos enfants. J'enlève les limitations géographiques sur les pieds de vos enfants. Ton enfant a la nationalité quelque part là-bas en Ben. Tu n'arrives pas à partir là-bas depuis. Je déclare par les liens du sang, par la puissance du Saint-Esprit, que les papiers de cet enfant-là vont te donner les papiers au nom de Jésus. Amen. Tout enfant qui est perdu depuis, tu n'as pas de ses nouvelles. Chaque jour, tu pleures seulement que mon enfant est où? Appelez son nom. Appelle son nom trois fois. Appelle. Ange Michael, tu entends. Tu entends. Peu importe le pays où l'enfant là est, tu n'as même pas de ses nouvelles depuis. Je mets la fidélité dans le cœur de cet enfant. L'enfant là te localise. Il te recherche à nouveau. Au nom de Jésus. Je désenvoûte cet enfant. Que si c'est une femme, n'importe qui a envoûté ton enfant, je viens enlever. Je désenvoûte ton enfant. Si c'est ton frère, qu'une femme a pris sa tête. Appelez le nom. Même si c'est ton père, que ça, depuis qu'il s'est marié avec sa nouvelle femme, là, il vous a abandonné. Il va vous enlever sur son testament. Appelez le nom de la personne. Je restaure les sentiments initiaux que la personne avait pour toi. Je vois aussi une femme que le mari t'a abandonné avec les enfants. Maintenant qu'il a l'argent, il est parti avec une autre femme. Il a oublié ses enfants. Tout homme qu'il avait l'amour pour ses enfants, on est venu manipuler son cœur. Je retire les flèches de son cœur maintenant. Je retire. N'ayez pas peur de prier pour les pères de vos enfants. N'ayez pas peur de prier pour les pères de vos enfants. Souvent, ils sont très manipulés. Je déclare qu'il sera un père exemplaire. Je déclare que son argent, il va pas oublier ses enfants, qu'il va partager son argent au nom de Jésus. Je déclare que l'enfant ne va pas manquer alors que le père est dans la belle vie. Il vous rappelle d'ici 2 jours, dimanche soir maximum. Je lui donne 2 jours pour vous appeler. Il dit, je m'excuse maman. Je t'ai envoyé l'argent pour les enfants. Comment ils vont? Vos enfants ne vont pas grandir abandonnés. Vos enfants ne grandiront pas abandonnés au nom de Jésus. Mais c'est que tu avais honte d'en parler. Tu en souffrais. Tout homme qui a eu l'enfant avec toi, il est parti. Et qu'au début de la grossesse, c'était vraiment là. Tout esprit, tout Jézabel qu'il a pris, tout Mami Wata, peu importe, les mauvais esprits qu'ils ont pris. Parce que dans le monde sous-marin, il y a les mauvais, il y a les bons. Je le désenvoûte au nom de Jésus. Je le sors de toute cage sous-marine dans laquelle on l'a déposé. Il a enchaîné contre sa volonté. Je déclare qu'il pense par lui-même. Il se rappelle de l'amour qu'il avait pour cet enfant. Je restaure la psychologie de ton enfant, la stabilité psychologique de ton enfant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je prie pour sa fille. Je déclare que tu es délivré de toute maladie. Au nom de Jésus. Nous prions pour les malades, toute personne qui est couchée à l'hôpital qui m'écoute. Toute personne, tu es un membre de ta famille, tu es à son chevet. Nous déclarons la délivrance. Dépose la main sur ta poitrine. Ange Michael, je touche cette main qu'elle a déposée sur sa poitrine ou sur la poitrine de son enfant. Je chasse la maladie, je commande à la fièvre, je commande à tout diagnostic qu'on a fait. Sur cet enfant, je commande à cette maladie de sortir de son corps maintenant. Et que cet enfant se lève et mange au nom de Jésus. Amen. Je prie pour les business maintenant. Tout en haut, tu as été investi, tu as pris ton argent, tu as mis. L'ennemi est venu la dévorer. Selon Jean chapitre 10, verset 10. Tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie, je viens de restaurer. Tout ce que l'ennemi a volé, tout ce qu'il a égorgé, tout projet qu'il a tué, au départ, tu étais enthousiasmé. Voilà, on allait te financer. Bon matin, aussi, ne décroche plus tes appels. Je te restaure. Je restaure ce financement. Je te sors de toute galère, de tout oubli. Tout endroit t'avait oublié.
au nom de Jésus. Tout ce que tu as commencé, ça a été détruit. L'inondation, le feu, le loyer impayé, finalement le bailleur vient prendre tes choses, il part avec. Tout échec que tu as connu, qui était le coup des gens, je déclare que tu te relèves maintenant encore plus fort qu'avant. Je déclare que ton business sera plus invisible. Je mets en toi le courage. Que même si tu es parmi 100 boutiques, que c'est ta boutique qu'on voit au nom de Jésus. Toute incantation faite par les gens qui sont dans le même couloir que toi. Toute incantation faite par les autres personnes de ta rue ou bien là où il y a ton magasin qui sont en train de t'affecter. Je te libère de leur incantation. Je te sors des trous, des limitations au nom de Jésus. Toute personne qui est venue verser quelque chose devant ton magasin quand tu n'étais pas là. Toute poudre maléfique qu'on est venu encercler ton business avec pour te bloquer, pour t'attacher. Ange Michael, je commande que cette poudre brûle. Je détruis l'effet de cette poudre sur ton business. Au nom de Jésus. Amen. C'est un moment aussi qu'il y a beaucoup d'entre vous, il y a un esprit en vous qui fait que vous gâtez vous-même vos choses. Tout esprit de rejet qui est en toi, qui fait que c'est toi-même qui passe à cacher tes propres choses. Tu as un projet avec quelqu'un, après, du jour au lendemain, tu l'insultes. Tu l'insultes et il dit, ah, c'est même qui ça qui est insolent, tu veux même te sponsoriser, pourquoi? Toute relation que tu as gâtée, qui allait t'aider, je déclare que tu reprends cette relation au nom de Jésus. Je déclare que cette ouverture qui t'avait été donnée, ça revient. Tout financement que tu devais recevoir pour lancer un projet, que toi-même tu as gâté. Je chasse la folie tamborée que tu as souvent là. Aucun esprit ne va plus venir te manipuler. Au nom de Jésus. Amen. On est à 144. Je déclare que vous êtes choisis. Je déclare le sceau du Saint-Esprit sur vous. Je déclare qu'aucune arme que l'ennemi a forgée contre vous ne peut jamais prospérer. Je réactive votre énergie. Je réactive votre puissance. Je réactive votre puissance. Que là où on vous a enterré, on vous a laissé, on a dit qu'elle était morte. Comme le bon samaritain qui est venu reprendre celui-là, il a pansé ses blessures. Je viens panser tes blessures spirituelles. Je panse tes blessures physiques. Je te sors de ce canapé où tu dors chaque jour. Tu n'as même pas la maison pour dormir. Je déclare que tu n'es plus sans abri. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ce mois de mars, tu vas voir les merveilles dans ta vie. Je prépare ton cœur pour que tu acceptes la réalité de tes bénédictions. Et toute personne dans ton entourage qui était toujours là pour te décourager. Mais non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Je chasse ces personnes-là. Tout dialogue malsain, maléfique qui était dans tes oreilles. Recevez votre abondance. Recevez votre abondance. Recevez votre abondance. J'annule vos dettes. Annulation de dettes. Annulation de dettes. Annulation de dettes. Tu trouves la maison le mois-ci. Tu achètes la maison finalement le mois-ci. Tout crédit à la banque que tu attends depuis pour lancer un projet. Tu achètes la maison le mois-ci au nom de Jésus. Flora, il faudra s'aimer pour ton mariage. Vous allez partir acheter des chaises, acheter tout, mais vous n'allez pas s'aimer pour votre mariage. S'aime pour la stabilité de ton mariage. Il y a le mariage, il y a l'enfant, les choses comme ça. Ne blague pas avec. Je bénis ton mariage au nom de Jésus. Apprenez les principes spirituels. Ne blaguez pas avec.
Je viens sceller cette prière par le sang de Jésus qui vit, qui règne, qui est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Je déclare cette nuit, on va venir vous donner votre or, votre argent, vos diamants. On va venir vous décorer. On va vous asseoir sur vos chaises. On va y mettre les habits sur vous. On va mettre les galons. Ces galons-là qui sont restaurés, je déclare qu'ils ne disparaîtront plus jamais au nom de Jésus. Toute personne qui a attaqué, qui avait volé votre puissance, qui avait volé votre argent, je déclare que c'est restauré durant cette nuit quand vous dormez. Au nom de Jésus. Je déclare aussi que vous ne vous découragez pas parce qu'il y a beaucoup de personnes, vous commencez à vous abandonner. Je déclare que vous allez persister jusqu'à la fin. Je déclare que tes prières que tu as faites depuis les 6 derniers mois, offrandes, dons, sacrifices, prières, ceci, jeûne, j'appelle maintenant ça que le Seigneur se rappelle de tout cela et qu'il te donne la faveur. Seigneur, rappelle-toi de des offrandes de tes enfants. Rappelle-toi de leurs sacrifices, rappelle-toi de leurs dons. Et Seigneur, descends de ton trône pour les secourir toi-même. Descends de ton trône, Seigneur, pour les secourir. Au nom de Jésus. Amen. Le tout, c'est quand vous allez vous délivrer. Premièrement, tu auras fait toi-même. Premièrement, c'est toi-même qui as fait. Toi-même, tout seul. Deuxièmement, tu ne retourneras plus jamais. La pauvreté, là, ce sera un vieux, lointain souvenir. Je déclare que tu es restauré même encore 7 fois plus que ce que tu avais avant d'être attaqué. Comme Job. Job a été restauré. Plus d'enfants, plus de richesses, plus de maisons, plus de ceci. Alors qu'il a passé 9 mois dans les problèmes. Son corps même ne répondait plus. Je restaure votre beauté. Je restaure vos business. Je restaure vos opportunités qui ont été prises. Et je scelle cette prière par le sang de Jésus-Christ. Qui vit, qui règne, qui est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui qui est l'alpha, qui est l'oméga. Lui sans qui nous ne pouvons rien. En lui nous sommes, nous vivons. En lui nous demeurons. Il va venir pour nous juger à la fin. Nous remettons tout dans tes mains, Seigneur Jésus. Amen, amen et amen. Merci Seigneur. Ce que vous venez de faire comme alliance avec Dieu maintenant, écrivez ça quelque part. Ce que vous allez donner à Dieu en échange, écoutez bien, une alliance ou un contrat, ça veut dire que je donne ça, tu donnes ça. Ne soyez plus bête spirituellement. Tu tombes sur ma vidéo comme ça au hasard, ouais, j'ai reçu. Tu donnes ça, je donne ça. Seigneur, je te donnerai quoi en échange? Il mettra dans votre cœur. Peut-être c'est Seigneur, je vais chercher un orphelin ou un orphelinat. Chaque mois, je vais m'occuper de deux orphelins là-bas. Je ne sais pas quoi, ce que Dieu va mettre dans ton cœur. Écris ça quelque part. On fonctionne avec un Dieu d'alliance. Un Dieu d'alliance. Alliance. Donc, vous dites que je remets à Dieu. Oh, Dieu, c'est seulement toi. Non, tu as ta part à faire. Voilà. Je vous fortifie que cette fois votre esprit ne tombe pas. Your mind will not faint. Your spirit will not faint. Tu ne vas pas t'affaiblir. Ton corps est peut-être faible parce que tu as jeûné, mais ton esprit est solide. Je déclare que cet esprit va continuer à être solide au nom de Jésus. Je déclare aussi que vous êtes obéissant, vous écoutez la voix de Dieu. Quand Dieu vous parle, vous écoutez et vous obéissez. J'enlève la tétutesse. L'attitude spirituelle, là, c'est ça qui vous dérange. L'oubli. Je chasse l'oubli de vos esprits. Quand tu te réveilles, tu te rappelles des instructions qu'on t'a données dans le rêve. Dans la journée, le matin à 7h, Dieu te dit que fais comme ça. Là. Rappelle-toi, tu fais. Je viens sceller cette alliance que tu viens de faire aujourd'hui. Je m'accorde avec toi, toi qui as dit. Je ne connais pas ce que vous avez dit, mais toi qui as dit là, qu'il en soit fait selon ce que tu as dit à Dieu. La main de Dieu n'est pas courte. Dieu n'est pas manchot. Il n'est pas ébois. Ses pieds ne sont pas cassés. Quand tu parles, il écoute. Et il parle, il fait. Voilà. Soyez bénis. Je vous bénis. Je vous bénis et je vous bénis encore. Je mets en vous l'amour. Que l'amour de Dieu soit répandu dans votre cœur ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Que vous soyez déterminés. Que vous soyez déterminés
que vous soyez déterminé, que votre esprit se lève. Dans le rêve comme ça, toi-même, que tu sens comment j'ai changé. Avant, on me poursuivait, je fuyais. Maintenant, je poursuis, je coupe les têtes des gens. Vous sortez de vos trous. Vous sortez des troncs, vous avez déposé des cercles qu'on a déposés, vous avez déposé pendant des années. Voilà. Je vous bénis. Je vous désenvoûte que les produits que vous avez achetés, vous êtes en train d'utiliser. Maintenant que vous les utilisez, que tout esprit mauvais sorte de votre corps. Que ce soit le sel, que ce soit le donne-moi tout, que ce soit le pipi. Que ce soit un kit. Je déclare que le Seigneur vient vous montrer dans le rêve comment votre travail est d'avancer. Voilà. Amen. 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 Allez maintenant mettre une bonne musique, vous dansez. I have come to see you, Jedi. I have come to give you praise. On va te danser maintenant. Ok. Le numéro est sur la page pour ceux qui veulent s'abonner. Ceux qui veulent faire les dons, le numéro sera, le site internet sera là. C'est reinelumière.com. Comme ça se dit là. Reinelumière.com. Et notez ce que vous êtes engagé avec Dieu. Prenez, écrivez ça quelque part. Vous notez. Vous mettez sur un mur ou bien quelque part. Mais si tu vis seul, bien sûr. Ton alliance avec Dieu garde pour toi. Parce que les décepticons sont dans ta maison parfois. Les décepticons vivent dans votre maison. Vrai, vrai, vous dites-moi. Voilà. Il y a la chanson dans nom. Congratulations, you have seen the glory of God. Congratulations, you have done it for me. And you will come back with a new song to sing. My God is good. Oh. Quand un mauvais esprit sort de ton corps, tu es léger. Quand ton argent est devenu, tu es léger. Tu es léger parce que tu sais que c'est déjà fait. Allez danser maintenant. Pendant que vous dansez, là, les écailles tombent de votre corps, de vos yeux. Voilà, soyez bénis. Je vous félicite d'avoir fait le jeûne. Vous connaissez tout ce qu'on fait à chaque fois qu'on finit un jeûne, qu'on clôture un jeûne. Pendant le jeûne, au début du jeûne, vous dites toujours, écrivez ce que vous demandez. Très important. Quand on finit le jeûne, et je vous dis toujours, nourrissez les gens. Quand on finit le jeûne, on fait le salaka. Même si c'est les bonbons de 150, achetez des bonbons de 150 demain, tu donnes aux enfants. Les biscuits, même. Pendant qu'ils mangent, je dis que Seigneur, sucre aussi ma vie, comme les enfants s'ils mangent comme ça. En Europe, je sais que c'est difficile de trouver les enfants. C'est fou. Tu peux avoir l'argent pour acheter quelque chose, tu ne trouves pas l'enfant qui va manger. Donc, si vous avez quelqu'un au village, envoyez la personne fait. Si vous n'avez pas, cherchez un orphelinat. Il y a aussi l'orphelinat cœur de Jésus. Vous envoyez, vous dites que ça, c'est pour les enfants de l'orphelinat. On va aller faire. On est allé là-bas en décembre. On est déjà en mars. Donc, je suis censé aller là-bas avant Pâques. Donc, on a déjà cotisé. J'ai regardé les fonds aujourd'hui. On est à 600 000 francs de cotisation depuis janvier. Voilà. Donc, vous envoyez aussi. Vous pouvez la contacter directement aussi. Ça dépend de vous. Voilà. Clôturez votre jeûne avec un acte. Ce sont des lois spirituelles. Ne blaguez pas. Que celui qui a entendu entende. Que celui qui n'entend pas n'entende pas. Voilà. Vous savez que je suis là. Je suis très clair. Je suis très clair. Ne blague pas. Il y a un de mes fils, là, le mois passé, en janvier, il avait besoin d'argent pour son, pour faire son truc, 600 000 francs pour faire son visa, je ne sais pas trop quoi, pour le Canada. C'était une des étapes. Il vient me voir. Tu lui croyais qu'il avait donné l'argent. J'ai dit que papa, va faire le salaka. Appelle ta mère, pas faire sa part de son côté. Toi-même, quand tu sors de mon bureau, va faire ta part. Va faire ta part. Après, il a fait, le lendemain, il est parti dans un orphelinat, il a encore fait. Le lendemain, là, le soir, il y a une de ses connaissances qui n'a pas dormi la nuit. La personne dit que papa, toute la nuit, si 2h, 3h, Dieu ne fait que me dire qu'il te donne l'argent. La personne appelle, fait le chèque, 600 000 francs. Pour donner que voilà, tu as un ton. Pas avec. N'ignorez pas le pouvoir d'une doléance que tu fais à Dieu. Et en échange, tu fais quelque chose. Parce qu'on ne vous a pas appris ces choses-là. On ne vous a pas appris. Dans votre quartier, dans chaque ville, il y a un orphelinat. Dans chaque ville, il y a un orphelinat. Je sais que quand on parle, on fait les bénédictions. Vous dites, ouais, amen. Quand on dit, mais d'accord, sors 5 francs, tu vas donner à quelqu'un.
Yeah, c'est là que ça finit tout. Bon, moi, je parle seulement mes choses. Ok. Je vous bénis. Allez faire votre danse et puis chercher quelqu'un que vous allez bénir. Ok. Je bénis aussi vos dîmes, les dîmes de début de mois là. On a reçu les dîmes déjà. Je crois que vous connaissez déjà comment ça se passe. Quand tu payes ta dîme, tu pries dessus. Tu pries dessus. Je vous ai enseigné les prières. J'ai déjà tellement enseigné dessus. Là, on est en train de refaire jouer les mêmes vidéos pour que vous écoutez, que vous compreniez. Voilà. Donc vous payez vos dîmes, vous priez dessus. Il y a une qui a écrit hier, le matin, avant-hier, aux États-Unis. Elle dit qu'elle avait, en janvier, elle avait demandé d'avoir la voiture pour mars. Le 1er mars, le matin, elle a reçu l'argent pour acheter sa voiture. Ça devait être le 28 février parce qu'elle a envoyé sa dîme le 1er mars au Cameroun. Donc on était encore dans le 28 février dans leur pays. Elle dit qu'elle était, elle-même, elle était choquée. Mais l'argent qu'elle a demandé en janvier, elle a reçu. Donc il y a des choses que vous demandez à Dieu. Dieu n'est pas sourd. C'est là que tu comprends que je vais commencer à demander plus. Il y a la partie financière qui est importante. Il y a la partie spirituelle aussi. Et aussi, beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de vous délivrer. On vous montre des choses, comment ça sort de votre corps. Tellement de témoignages comme ça. On va mettre des témoignages sur la page. Coupe ton micro. Toi qui es arrivé là, c'est que je vais t'enlever mon... Quand je suis sur Zoom, avez-vous coupé vos micros? Quand vous commencez à comprendre le spirituel, vous n'avez plus de problème. Parce que ça devient une évidence pour vous. Vous savez quoi faire. Que je veux ça, je fais ça. Et surtout demander. Parce que beaucoup d'entre vous, vous ne savez même pas quoi demander. Parce que tu n'étais pas assis pour dire, voilà ce que je veux. Ça fait 4 ans, 5 ans que tu fais les papiers. Ça marche, ça ne marche pas, ça marche. Tu fais Rosala, tu ne t'es pas levé un jour pour dire que c'est bon. Je dois avoir mes papiers le mois de mars. On dit qu'on donne ça aux gens en 5 ans. Moi, je vais avoir ça le mois-ci. Voilà. Donc, recevez vos bénédictions. Et que votre esprit soit fortifié. Que votre esprit soit fortifié dans votre chose que vous demandez. Il y a un passage de la Bible où on dit, il y a une femme syrophénicienne, elle vient à Jésus. Elle fait que déranger. Master, master, my daughter is sick. Maître, maître, ma fille est malade. Ça embêtait Jésus. Dit, oh, c'est même qui ça, elle est comme la mouche. Comme ça. Maître, maître. Après, il dit que je ne suis pas venu pour les chiens. Elle aurait pu dire, ah, tu te prends pour qui? Elle dit, même les chiens mangent les miettes de pain qui tombent de la table. Jésus se tourne et dit, waouh, quelle foi. Pas ton enfant est guéri. Il y a encore une autre parabole dans la Bible qui disait, cette vieille dame-là, qui, elle n'avait rien, elle n'était pas riche, hein, mais elle ne faisait que déranger le juge tout le temps. Viens pour sauver mon cas. Oh, monsieur le juge, oh, 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 elle insiste, elle insiste. Un juge dit que pardon. Pardon, cherchez le cas de la femme là, vous la libérez. Elle m'embête, elle m'embête. Embêtez les gens jusqu'à ce que vous ayez ce que vous voulez. Embêtez-les. Ne m'embêtez pas, eh. Embêtez-les. Et c'est qu'il y en a parmi vous, vous m'embêtez même déjà. Donc, même si vous ne dites pas m'embêter, vous allez m'embêter. Ok. Je vous bénis. Je déclare que vos démons vont se fatiguer dans ce mois de mars-ci. Ils vont porter les choses, ils vont partir. Il y a même des gens qui rêvent souvent qu'ils sont en train de faire leur kit. Ils disent que ah, j'ai rêvé comment il y a un homme qui était chez moi. Il dit que ah, je suis même déjà fatigué. Après, il prend son sac, il sort de ma maison et part. Souvent, vous fatiguez les démons. Tu le fatigues. Jusqu'à dans le rêve, tu le vois comment il dit que ah, faisons, venons pas. Oui, oui, oui. Il y a déjà des témoignages comme ça. Tu le fatigues. Finalement, il porte ses. Tu vois vraiment que dans le rêve, il dit ah, je suis fatigué de toi. C'est quoi ça? Tous les jours, tu fais les traitements. Tu fais les... Il porte ses choses, il sort, il part. Il dit qu'il te laisse. C'est un des maris spirituels que vous avez. C'est dans le rêve que tu vois comment il sort de ta maison et part. Oui. Fatiguez le diable, moi aussi. Fatiguez le diable, moi aussi. Voilà. Ok. Congratulations. Au revoir.